Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Alors bien sûr, toujours la sonne du couchant, mais ça tire à sa fin bien sûr. Donc aujourd'hui je vais continuer une quête secondaire que j'ai récupérée dans la dernière vidéo. Et après nous irons retourner dans Arteum pour déposer les reliques à la dans une bibliothèque. Parce que comme j'en ai récupéré pas mal, donc il faudra que je reprenne la liste des reliques pour savoir celles qui me manquent. Et on essaiera aussi de finir de refermer les portails donc, qui correspondent à une quête de la guilde de l'ordre psychique. Allez, donc nous sommes en partie. Nous allons mourir. Oula. Non, non, mais faut pas se déranger pour moi. Oula. D'accord. Mais il y en a plein partout des hydriques là, pourquoi? C'est quoi ça? Ah ouais. Alors, utiliser la carte aux prises. Utiliser la carte au trésor. Alors ça, ah ben, on y allait il n'y a pas longtemps. C'est vers ici. Bon. Ah ben, c'est indiqué comme ça. Ah mais c'est cette quête qui nous fait découvrir en fin de compte le point de vue là qui me manquait de. En fait, il faut faire cette quête pour. Alors, c'est vers là-haut. Il faut remonter et redescendre là. Mais on ne peut pas. Mais je l'ai déjà utilisé, mince. Trouver le coffre de Gjadil. Plutôt là. Pas ce coffre que je voulais, mais bon. Moi, j'aurais dû mieux regarder la carte, en fait. Voilà.
Non, non, c'est sur l'angle, hein. Faut monter sur le rebord là. C'est pas tout en haut. Hein. C'est sur ce rebord. Pourquoi ça va pas fonctionner? Pas super bien représenté là. C'est à gauche de l'arbre en fait. Là, je pensais. C'est pas une quête hyper longue, on peut pas dire. Sans doute pas. Gadil a dû faire tout ça pour rapprocher ses descendants.
Les épreuves de l'exploration prennent des liens indéfectibles, ce genre de choses. Dire que j'ai tué Varida pour rien. Je regrette d'avoir fait l'effort. C'est facile de combattre pour un cadavre. Mais croyez-moi, si vous l'aviez connu, vous comprendriez. Ce n'est pas une coïncidence si nous avons tous les trois décidé de la tuer, et seulement elle. D'accord. Bon, je pense que Gyadil avait tout prévu depuis le début. Qui aurait cru que cette vieille fille avait un tel goût pour le drame? Je me demande si elle avait déjà fait du théâtre. À présent, je crois que je vais me rendre à Relentil, y déployer mes talents et voir ce que cela donne. Honnêtement, toute cette affaire me donne envie d'aventure. Dire que nous étions tous les trois l'assassin depuis le début. Le mystère de la mort de Varida, la tension entre nous, puis cette grande révélation sur l'inexistence du trésor. Toute cette histoire regorge d'ironie. Je pourrais devenir dramaturge avec une telle histoire. C'est une bonne idée. Voilà, bon, c'est pas une grosse, grosse quête, là. Faut reconnaître que... Alors... Là-dessus, alors, j'ai à jeter d'un teint se lance et au sud de saute tenure. Donc, je vais récupérer cet oratoire pour aller là. Et il faut que j'aille au sud des teint se lance. Ah non, elle a jeté des teint se lance, c'est ici. J'ai rien dit. Et c'est parti. En général, je vous conseille quand même de faire le tour de chaque zone, des bords extérieurs de chaque zone. Des fois, on y trouve beaucoup de choses. Voilà. Donc ici se trouve une autre relique. Énorme. Et je sais pas si j'ai toutes les avoir à force en fait. Alors je recompte. Donc ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et il faut que je retourne dans la jetée d'étincelance. Je repars à l'oratoire. Alors, il y a toujours ce braise. Je vois pas à quoi il sert. C'est cela, donc je vais aller sur cet oratoire. Je vais quand même me marquer un petit point pour me guider vers là-bas.
Est-ce qu'on la voit? On voit la jetée d'ici. Et ça, c'est vraiment fait par curiosité, par hasard. Là aussi. Allez, bing. Voilà, alors bon. Enfin, tout le monde peut trouver ça, il n'y a pas de problème. Et je pense que normalement, bon, étant donné que voilà, cette tour est verrouillée, bon, il y a un sac lourd là. On va prendre ça parce que. Et bon, bien sûr, alors moi j'ai vu, j'ai rigolé, enfin, voilà, c'est, voilà, faut aller le chercher celui-là. On avait déjà vu ça. Alors, nous allons repartir. Alors, je vais jeter un coup d'œil. Combien il y en a? Bien qu'elle soit démissionnée, je sens sont les reliques. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 reliques. C'est quoi c'est... Ah, d'accord. 20. Pourquoi il ne met pas le... Oui, on n'a pas de... On n'a pas de divers ou quoi que ce soit. Alors, 10. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 11, il me manque 9 encore. D'accord. Alors je vais quand même les poser parce que ça me libérera de la place dans mon... Et je voulais faire aussi ça. Là, ces trois sont faites. Ça, c'est fait. Mais on est sur la jetée, là. Ah non, c'est carrément en bas. Alors, j'étais en bas, j'ai oublié de... J'ai fait celui-là. Ça c'est fait ça. Ça j'ai fait celui-là. Est-ce que j'ai fait celui-là?
ça. Celui qui est tout en haut, ici, à l'acropole d'Irénie, ça c'est fait, ça c'est sûr. Je crois que je vais aller vérifier celle-là. Je vais parcourir les zones pour voir si j'ai bien retrouvé les... Il faut que je retourne à Soltenir en fait. J'ai pas... Il y a un coffre. Je crois que je l'ai fait. Ah! Tu entends? Ah non. Ah non. Ah ouais, mais là. De chute, mais alors comme j'ai plus suivi du tout, non. Et elle doit être en bas, il me semble. Vers ici. Ouais, j'ai pas dû la faire. On va à droite de ça. C'est vers ici. Voici. Je vais vérifier. Non mais ça j'ai dû la faire ça.
continuer un peu par là, mais je me rappelle plus. Faut que je la retrouve parce que sinon. Ah non, mais là-bas, je me fais bouffer par les poissons. Ça. Ah non, mais elle était vers la dame là-bas. C'est fait ça. Est-ce que celui-là je l'ai fait? S'il faut je retourne là. Ah mais il y a celui-là, je voulais vérifier. Fort des 11 forces. Au nord de l'eau. Ah ouais, c'est bien du milieu. Voilà. Bonjour. Ah ouais. Je l'avais oublié celui-là. Donc je les ai tous, ça y est. Bon ben on va pas retourner à Arteum pour rien. Mais il est là. Enfin, ça va pas être fini en fait. Je suis pas passé par la bonne entrée. Ah mais d'accord. Moi avoir oublié. Oh. N'importe quoi.
Ouais, qu'est-ce que j'en ai fait de la bibliothèque de savoir, moi? C'est par ici. J'ai quand même envie d'aller coulisser des vieilles voix, c'est pas ça? Ah, j'ai la dame à aller voir aussi ici. J'en ai des choses à faire. Est-ce que c'est ici? Ah, voilà. Donc, il y a un monsieur qui se promène dans le secteur. Et là, on a la crypte de Moawita. C'est... Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est cette bestiole. Assez... Il est bloqué. Mais peut-être qu'il fallait que je descende. Ah oui, d'accord. Andir Yewen. Si je devais choisir mon objet maudit préféré, ce serait certainement la plus magique. Oh, mais l'éventail du faux visage est très bien aussi. Et le cœur d'Indrik cristallisé est toujours si beau. C'est difficile de choisir sa malédiction préférée. La nappe, Eric. Allez. Vous avez un peu même le même type de quête à votre gare. Maintenant que vous êtes prêt à partir à l'aventure, n'hésitez pas à me poser des questions. J'apprécie toute cette curiosité. Est-ce que je lui ai pas déjà parlé à lui? Oh, très certainement. Le maître des reliques de l'ordre psychique, c'est-à-dire moi depuis un moment, est responsable de la collecte, de l'étude et de la conservation des reliques que l'ordre juge intéressantes. Chacune de ces reliques est remarquable d'une manière ou d'une autre. En général, ce sont des objets trop puissants pour que l'ordre tolère leur emploi à mauvais escient. Ils peuvent aussi être mystérieux, ou leur rôle peut être indéterminé. Naturellement, ce sont ceux que je préfère. Chaque relique est bien sûr isolée et préservée, par précaution. Eh bien, toutes sortes de choses. Je ne pourrais pas vous dresser la liste complète de tous les effets que nos reliques auraient sur l'équilibre de Nirn si leur pouvoir se libérait. D'ailleurs, nous ne l'autoriserions jamais. Elles sont soigneusement isolées, justement pour l'éviter. Ah, vous n'y allez pas par quatre chemins. Le plus agaçant de tout cela, je le crains déjà. Chaque fois que nous tentons de voir ceux qui emploient une terre... Maintenant, vous êtes prêts à partir. Alors... Le cœur d'Hydric. La plume agile. Le jabot de dessèchement. Le crâne de malédiction mineure. Des mycoses sévères aux pieds, des cauchemars un peu gênants. Ok, incurable. De quoi finir par rendre notre victime. Votre victime folle et pas chère en plus. Ah d'accord, c'est là où ça lui. Parchemin sans lin. Le lutte coldois. Le coffre de condamnation. Le miroir aux prémonitions fatales. Le pinceau monochrome. L'urne du passeur d'âme. Le
la gigue est conduite, de l'éconduite. La lame de trancheur d'ombre. Baguette démêlante. L'épée brisante. Et normalement, j'ai fait le tour. Qui c'est qui sera là? C'est bien ça. Donc ça, c'est fait. Alors normalement, j'ai dû... Ah oui. J'ai vachement baissé. J'ai retrouvé un peu de place dans mon sac. Donc j'ai ça à finir. J'en ai 9 à trouver encore. Ah oui, d'accord. Alors, je vais aller voir madame. Ben voilà, elle est juste à côté. Lilata. Alors, je voulais voir, je ne sais pas si c'est une quête qui a un rapport avec la zone du couchant. Mais Lilata, je ne crois pas que c'est ça un rapport. Si nous nous retrouvons sur Arteum, mon foyer, je savais que vous finiriez par me rendre visite. Votre volonté se joue des obstacles. Que faites-vous depuis que nous avons arrêté cette ombre sur Dranilkir? J'ai sauvé la cité mécanique de Nocturne, j'ai même sauvé Sotacil. Alors mon sacrifice sur Dranilkir était utile et même vital. Si vous n'aviez pas vaincu Bonafride et Ménombre, vous n'auriez peut-être jamais atteint la cité mécanique. Dites-moi, que s'est-il passé dans le domaine de Sotacil? Fascinant. Si la magie d'ombre de Nocturne peut confondre même le grand Sotacil, j'ai moins honte de lui avoir succombé sur Dranilkir. Même un membre vétéran de notre ordre n'a aucune chance contre un prince des draps. Merci de me l'avoir dit. Non, et je ne compte pas le faire. Je n'ai plus assez de pouvoir pour m'y rendre et en revenir. Et honnêtement, je trouve que c'est une œuvre d'une mégalomanie dérangeante. Vos récits d'aventure me suffisent, mon ami. Et Arteum aussi. J'aide les autres, du mieux que je peux, en les encadrant et en guidant leurs recherches. Je ne retrouverai jamais le pouvoir que j'ai perdu quand mon ombre est morte sur cette île. Mais heureusement, j'ai conservé mon esprit et mes souvenirs. À ma grande surprise, je suis une excellente enseignante. Ils ont tous essayé, du maître des rites aux initiés que je forme. Aucun n'a réussi. Ce n'est pas un pouvoir caché à débloquer. Ce pouvoir a simplement disparu. On ne peut pas accéder à quelque chose qui n'est plus là. Ne pleurez pas leur disparition, mon ami. En vérité, le pouvoir arcanique est le moindre des dons psychiques. La véritable puissance de l'ordre tient à sa sagesse, sa prudence et sa retenue. Je peux encore transmettre tout cela à la prochaine génération de mages. Je m'en rappelais plus. Je m'en rappelle plus, mais dans cette zone, dans ce DLC, on retrouve déjà deux personnes
qu'on a côtoyé auparavant dans les aventures. Donc voilà, bon, mais ça amène pas du tout aucune quête en fait. Juste pour retrouver ce personnage. Et clore son histoire en fait. Deux personnages là où on. Alors ça on va éviter. Pour l'instant. On finira par. La quête principale. Alors, parler au maître du savoir, c'est la Russe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ravi de vous revoir, initié. Avez-vous fait ce que je vous avais demandé? Les brèches temporelles de l'île de Couchant sont-elles réellement scellées? Bravo! Vraiment bravo! Vous avez déjà l'air de posséder certaines vertus cardinales de notre ordre. Altruisme, prévoyance, précision de pensée et d'action. Vous serez une recrue de choix pour l'ordre. J'en suis certain. Parlez à Yosager. Elle sera rassurée de savoir que l'augure est à l'abri, j'en suis certain. Oui, j'ai appris sa soudaine disparition. Heureusement que vous l'avez récupérée. Je lui ai demandé de vous donner quelque chose. Votre premier pas sur notre chemin. Elle vous attend dans l'Athénéum. Il m'a fait peur. Bonté divine, vous voilà. J'espère que l'augure ne vous a pas causé trop de problèmes. Je sais qu'il peut être pénible. Le maître du savoir m'a demandé de vous donner quelque chose. Le premier d'une longue série de présents. Du cadeau le plus précieux, la connaissance. Je vous en prie, faites-en bon usage. Lorsque j'ai appris mon premier sort, j'ai par mégarde banni un crapaud à l'autre bout du temps. Enfin, je crois, il n'est pas encore revenu. Félicitations, vous l'avez bien mérité. Ainsi que mes remerciements. Alors, couvre-chef du couchant non identifié. Contient une armure de tête, des ensembles gracieuses mélancolies, férocité du griffon ou sagesse de Vanus. Donc, ligne de compétences débloquée, ordre psychique. Du travail de première au couchant. Vraiment de première. Mais nous avons un autre problème. Êtes-vous prêt à repartir? Ça continue. Du travail de première, au couchant. Et nous devins ont détecté d'autres brèches temporelles. Cette fois dans ma patrie natale, la baie Iliac. Le maître du savoir et moi continuerons de chercher l'origine de ces perturbations. En attendant, nous avons besoin de vous pour les sceller. Oui, prenez cette carte de la région, d'autres sauts psychiques et augures. J'espère que les brèches ne se sont pas renforcées. Ne prenez pas de risques. Et faites en sorte qu'Alikir s'en remette, hein? Je sais qu'il nous faut. Je devrais rester détachée. Ne faites pas attention. Puisse les vieilles voix guider vos pas, initié. Le maître du savoir a été très impressionné par votre travail au couchant. On n'apprend pas facilement à le connaître, mais il est toujours généreux de louanges. J'aimerais parfois être une meilleure élève. Pas au sens traditionnel. Je suis une très bonne mage. C'est cela qui a retenu l'attention du maître du savoir lorsqu'il m'a trouvée à Alikir. Mais je peine sur les leçons les plus profondes. La philosophie. L'ordre psychique n'est pas un simple groupe de mages. C'est une certaine vision du monde, vous comprenez? Un état d'esprit. Être une bonne mage, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à voir les choses autrement,
à cultiver une perspective détachée et vertueuse. Parfois, j'ai l'impression de progresser, et d'autres jours, comme aujourd'hui, je vois le chemin qu'il me reste à parcourir. Un vrai psychique considérerait tous les gens et toutes les régions comme égaux. Mais moi, une partie de moi n'a jamais quitté Alikir. Mon cœur est encore au chaud dans les dunes. Oui, je ne devrais jamais omettre du savoir, mais oui. Je regrette. Je ne voulais pas vous déranger. Vous débarquez tout juste après tout. Oubliez ce que j'ai dit. Faites attention à vous. Alors, nous allons consulter cette fameuse carte. Alors, dans mes... Ouais, j'ai plus que celui-là. Très bien. Alors déjà, j'ai de la Védiliac, mais ça... Ah oui. D'accord. Donc ça, c'est une quête que je vais pas continuer parce qu'il faut voyager à travers Tamriel, donc je considère qu'on ne fait plus partie des quêtes de la zone. Voilà, donc c'est, de toute façon, c'est la quête de guilde. Donc je vais abandonner du coup cette quête. Donc et je vais retourner. Normalement à Arteum je n'ai rien. Je n'ai plus rien à faire. Donc il va me rester à faire donc récupérer les reliques, finir les donjons, c'est ce qui me manque surtout. Donc là on est à la tour Sephora, ça indique pas le... Donc il me reste la quête principale à finir. Là j'ai trois donjons à finir et tout est fait après. Et retrouver les reliques. Donc je vais donc voilà, donc, il doit me rester encore une ou deux vidéos à faire. Ça dépend de combien de temps me prennent les donjons. Et peut-être que je ferai les donjons et dans la vidéo je ne mettrai que les parties, la partie qui manquait pour pouvoir clôturer le donjon. Là je vais reprendre ma liste de reliques pour pouvoir me diriger vers les... Peut-être que je ferai... ça dépend voilà, si j'en fais une ou deux vidéos prochainement pour savoir, ça dépend vraiment de la durée, de le temps que je mets à parcourir le donjon pour finir de les compléter. Et après les reliques, je pense que ça, voilà, ça va faire une vidéo, mais je pense que je couperai pas mal au montage. Mais je vais, bon, au niveau des reliques, j'ai essayé de chercher en off un peu moi-même où elles se trouvent, repérer déjà un peu les coins en avance pour pouvoir aller plus vite. Et puis, alors, les donjons, par contre, je ne comprends pas ces trois donjons, qu'est-ce qui me manque. Donc, va falloir que j'y passe un petit peu de temps. Et donc je verrai en fonction du temps que ça prend, peut-être que dans la prochaine vidéo je finirai la zone ou sinon j'attendrai une autre vidéo pour clôturer cette zone, mais qui aura été très longue. Voilà, donc je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Bon, c'était vraiment une vidéo pour finir la zone, voilà, les petites choses qui manquent. Même l'autre vidéo, hein, prochaine vidéo, ça sera surtout histoire de peaufiner les petites choses qui manquent sur cette zone. Donc voilà, on aura enfin fini cette zone. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et bien sûr pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut.